Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon amour. Femme en ligne. Elle dit que quelqu'un est entré dans sa maison et que son mari est en train de mourir. Je ne sais pas si elle est folle ou si c'est vrai, mais c'est au 420 Greenbrier. Gardez-la en ligne, j'y vais tout de suite. Bonnie. Une voiture 33, 420 Greenbrier. Allô, Bonnie. Dites-moi, Bonnie, d'où est-ce que vous saignez? De la poitrine. Il m'a battue. Et aussi poignardée. Est-ce que votre mari a été poignardé et battu, lui aussi? Oui. Mais vite. J'ai envoyé une voiture, elle va arriver très bientôt. Vous allez rester avec nous. Il ne faut pas que vous perdiez connaissance, Bonnie. Elle était à l'étage.
même pas qu'il puisse ressentir. Ma fille, non. Je ne sais pas si elle... sa chambre, c'est la porte sur la couche. Oh mon Dieu. Faites que ce soit un cauchemar. Il n'y a rien au rez-de-chaussée. Bien il s'est tiré. Bien il est là-haut. Il faut qu'on aille voir. Ne le regardez surtout pas. Il y en a un sur le lit et l'autre par terre. Occupez-vous de la femme. Vite. Détendez-vous, on s'occupe de vous. Laissez-vous faire doucement. Voilà. Maman ? Ne la laissez pas entrer ici, je vous en prie. Il vaut mieux que vous attendiez en bas, mademoiselle. Faites bien attention, écoutez-moi. Ne touchez à rien et ne déplacez Maman. Rien. D'accord. D'accord. Maman. Comment ça va? Pas très fort. Est-ce qu'il est mort? Oui, madame, je suis désolé. Laissez-moi passer, messieurs, dames. Excusez-moi, vous pouvez me dire ce qui se passe? S'il vous plaît, restez à l'écart. Je vous en prie, ne vous approchez pas, madame. Détective Murphy? Oui, vous trouverez des rouleaux d'adhésif sur le siège de ma voiture, là-bas. Il faut sceller toute la maison, tout entière, hein? Ok? D'accord. 99. Salut, Pete. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un massacre. Un vrai massacre. Ne laissez pas ma fille entrer ici. Je vous en supplie. Je vous en supplie, qu'elle n'entre pas. Je crois que je me suis endormie vers 11h ou 11h30. Et j'ai dormi jusqu'au moment où le policier m'a réveillée. Tu n'as rien entendu, alors? Je dors toujours avec un gros ventilateur qui fait beaucoup de bruit. Je le mets toujours depuis que je suis toute petite. Tu es certainement sous le choc, mais... Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Oui. Oui, je sais. Ma mère a elle a subi une agression. Et mon beau-père est mort. Et... Pete, venez voir ici une seconde. C'est certainement tombé. Après l'effraction, parce qu'il n'y a pas de verre cassé par-dessus. Pas une miette. Le problème, c'est que tous les collégiens en ont un exactement pareil. Peut-être, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a plus celui-là. Je lui ai fait faire 2 transfusions. Elle doit être stabilisée maintenant. Mais elle est encore sous le choc. Je vous promets que je n'en ai que pour une minute. Madame Van Stein, dites-moi, qu'avez-vous vu quand vous vous êtes réveillée?
J'ai entendu les hurlements de mon mari. Il n'en finissait pas, ces hurlements. Dans votre chambre. Je cherche Madame Von Stein. Où est la chambre de Madame Von Stein? Madame... Où est-ce qu'elle est? Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Maman! C'était un type vraiment sympa, il rigolait tout le temps, il faisait des blagues. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas d'ennemis, pas un seul. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Cliff avait hérité d'une très jolie somme. C'était l'année dernière, non? D'abord, il a perdu son père et ensuite sa mère. Deux mois après, peut-être, quelle tristesse. Et personne ne se doutait qu'ils avaient de l'argent, ses parents. Figurez-vous qu'ils lui ont laissé plus d'un million de dollars. Et l'autre jour, Cliff me disait, on faisait un billard, il disait qu'il avait souscrit une police d'assurance vie de 700 000 dollars. Vous savez à qui doit bénéficier cette assurance? C'est à Bonnie, bien entendu. Je crois que ses enfants peuvent être co-bénéficiaires. Ça ne me surprendrait pas du tout parce qu'il les aimait comme si c'était les siens. Il les a même trop gâtés, à mon avis. Il a payé au gosse une superbe bagnole le jour même où il a eu son permis de conduire. Ça lui a coûté un joli paquet. Je vous en prie, monsieur, n'allez surtout pas croire que ses enfants ont quoi que ce soit à voir avec le crime. Ils adorent leur maman et leur maman les adore. D'ailleurs, ils étaient auprès d'elle quand nous sommes passés les voir ce matin à l'hôpital. Je trouve quand même un peu étrange que Chris et Angela aient pris les choses avec autant de calme. On ne fait pas attention à ce qu'ils racontent. Ce n'est pas parce que ces pauvres gosses ne chialent pas devant tout le monde qu'ils ne sont pas malheureux. Angela est exactement comme sa mère. Et toutes ces années que Bonnie a été mon amie, je vous jure que je ne l'ai jamais vue verser une larme. Elle n'est pas comme ça, c'est tout. Elle garde ses ennuis pour elle toute seule. Mais c'est une excellente mère, croyez-moi, et ses enfants feraient n'importe quoi pour elle. Ouais. C'est juste une formalité, tu sais. T'en fais pas pour ça. C'est seulement pour distinguer vos empreintes à vous de celles qu'on a relevées sur les lieux. Vous inquiétez pas. Je suis rarement à la maison ces temps-ci et j'étais venu les voir. Et on passait notre temps à se reposer. Je faisais des hamburgers pour tout le monde. Le tien est prêt, papa, bien saignant. Oh, depuis quand tu es devenu un cordon bleu, je ne t'ai jamais vu préparer autre chose que des cornflakes. Il mijote quelque chose. Je parie qu'il a besoin de fric. Est-ce que tu peux être drôle, Angela? Ferme-la et mange pendant que c'est chaud. Vos assiettes. Ouh, je fais beaucoup trop de salade de pommes de terre. Il va falloir que tu en emmènes à l'école. D'accord. Ton assiette. Chris, t'es pas mauvais. On devrait te laisser faire la cuisine plus souvent, hein. Donne-moi ton... J'en ai déjà pris. Oh, maintenant. Chris! Oh, non! Eh ben, ça y est, elle est tout brûlée maintenant. Je pourrais plus le manger. Dommage de gâcher une si bonne viande. Oh, mon pauvre chéri. Tu sais, je n'arriverai jamais à finir le mien. Je t'en donne la moitié. Non, c'est rien. De toute façon, je dois retourner à l'école. Ils voulaient que je reste avec eux, mais je devais rentrer à l'école préparer un devoir. Et tu l'as préparé, ce devoir? Ouais. Salut, les mecs! Oh, dois-je vraiment en croire mes yeux? Christopher Pritchard en train de travailler. J'ai un examen d'algèbre et j'ai intérêt à le réussir. Ah. Tu sais, ça t'aiderait sûrement si tu allais au cours une fois de temps en temps. Ah ouais? Comment tu sais ça, toi? Ça, moi aussi, je me le demande. Ouais. De toute façon, je sais que dans 100 ans, on sera tous morts, alors... Tu sais, Moum, t'aurais dû passer un diplôme de philo. On va
va se défoncer. Tu viens? Non. Si je viens, je vais encore être saqué. T'as des parents friqués. Tu devrais engager Manderson. Il ira au cours à ta place et il t'expliquera tout après. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Ouais, c'est rien du tout l'algèbre. Il suffit de réduire une variable de la fonction cible à un nombre infiniment petit pour pouvoir trouver la différentielle des autres variables. Qu'est-ce que je te disais? Et combien tu prendrais? 20 billets. De l'heure. T'es d'accord? Moi, je dirais plutôt dans les 100. 1000. 1000, ouais. D'accord. C'est bien, on va fêter ça. Allons-y. Allez. Salut les mecs. Salut. J'ai gagné. Ça y est. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est fini, je te dis. D'accord. Tu distribues, bon. C'est à moi, j'en ai marre de ce jeu des billes. Bah allez, quoi, on en fait une dernière et c'est tout. Ah, j'en ai marre, moi. Il y a une heure, t'as déjà dit la même chose. Quelle heure il est? Il est presque 2 heures. 2 heures déjà? Bon, d'accord, je vous jure que c'est la dernière cette fois-ci. Réveille-toi, hé, tu feras dodo c'est après. Toi qui donne. Réveille-toi. Réveille-toi, tu dormiras après. Comment as-tu appris ce qui est arrivé à tes parents? C'est Angela qui a téléphoné. J'étais au lit et il m'a fallu une minute pour comprendre ce qu'elle me disait. J'arrivais pas à le croire. Je faisais... Quoi? Mais c'est pas vrai. Je vivais. Pete, je vous présente Calvin Reed. Le bureau d'État l'a mis sur l'affaire Von Stein. Je vous laisse. Je suppose que le bureau croit qu'une petite équipe minable comme la nôtre n'est pas capable de résoudre une grosse affaire comme celle-ci. Les résidents de ce comté se fichent de savoir qui résoudra cette affaire. Tout ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de ce fou dangereux et dormir tranquille. Et moi aussi. Un coup de main est toujours le bienvenu. N'oubliez pas les paroles. Dans la paix, Seigneur, fais reposer son âme. Amen. Ce type-là, je crois qu'il aurait pu être un saint. Il ne s'est jamais battu avec personne, il n'a jamais menacé personne, il n'a jamais été infidèle. Et elle, elle l'était? Un amant jaloux. Oh, bien sûr, je suppose que c'est une possibilité. Cambriolage? Non, ça c'est totalement exclu. Bijouterie, ordinateur, hi-fi, télévision, rien de tout ça n'a été touché. Tout ce qu'on a, c'est ce sac que personne jusqu'à présent n'a encore. Il reste les enfants. Un beau-père qui a du fric, c'est le seul mobile possible. La petite dit qu'elle dormait profondément. Et le fils? Il a un alibi en béton. Il dormait au collège au moment du meurtre. C'est à 2 heures de route d'ici. Ça, c'est pratique. Si c'était la maman qui avait eu la bonne idée du crime, elle a pu s'arranger pour être un peu charcutée, mais pas trop. Et la pensée du fric de l'assurance, ça fait passer la douleur. Je serais vraiment surpris s'il y était pour quelque chose. Quand vous aurez derrière vous autant d'années que moi, vous ne serez plus surpris de rien. Pete, un éleveur de porc de la région a téléphoné tantôt pour dire qu'il avait vu un feu suspect à côté de la 264 très tôt le matin lundi dernier. Je pense qu'il y a peut-être un rapport. Là-bas, c'est là-bas. Je vous suis. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont utilisé du kérosène. Ça ressemble à un bout de chemise. Super! Un vrai trésor.
ne reste plus qu'à trouver un couteau. Croyez-moi si vous voulez, mais je viens de tomber sur un objet long et compact. Pas possible. C'est pourtant vrai. Sweatshirt, jeans et une paire de tennis. On sait déjà que l'élégance, c'est pas son fort. Faites bien attention, ça devient très fragile quand c'est brûlé. Merci, je vous remercie. Non, pas de quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan du quartier d'Ocknoll. Et là, c'est le 420 Greenbrier. Incroyable. La maison des Von Stein est marquée là, vous voyez? Et là, regardez, là. Ça représente des chiens. Des chiens? Ça aboie, non? Des chiens. Ah, mais ça, c'est une belle trouvaille, dites donc. Celui qui a dessiné ce plan connaissait le quartier sur le bout des doigts. Il a pris la peine de marquer tous les chiens autour de la maison. Ah. Quoi vous pensez? On a un mot pour ce genre d'objet au bureau. On appelle ça des preuves. Le type qui a dessiné le plan n'avait pas l'intention d'aller là-bas. Il a dessiné pour celui qui est allé tuer les Von Stein, celui qui a oublié le sac. Le gars qui a allumé ce feu. Il doit croire qu'il a détruit les preuves. Il faut que ça puisse rester notre secret. Personne ne doit apprendre l'existence de ce plan jusqu'à ce que nous connaissions à coup sûr son auteur. Regardez, ils sont là. Ils sont là. Allez, dépêchez-vous. Ils n'ont pas l'air tellement tristes. Et leur beau-père n'est même pas encore froid. Le docteur Skinner est appelé en salle 133. On demande le docteur Skinner. Le docteur dit que je pourrais sortir dans un jour ou deux. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Je vais m'asseoir dans le fauteuil. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas... Je ne vais pas retourner dans cette maison pour l'instant. Peut-être même jamais. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire si Chris et Angela s'entendaient bien avec votre mari? Oui, très bien. Cliff a vraiment été une bénédiction pour nous. Pour moi et pour les enfants. Il traitait mes enfants comme s'il était leur père. Il tenait à ce qu'ils reçoivent tous les deux une excellente éducation. C'était primordial pour lui. Vous ne vous souvenez pas d'éventuels, comment dire, accrochages? Oh. Eh bien, je dois dire que mon fils a toujours eu tendance à se laisser influencer par ses amis. Toujours. Et nous avons commencé à nous poser des questions sur lui. Il ne venait plus nous voir aussi souvent qu'auparavant. Ses notes étaient de plus en plus mauvaises. Pour tout vous dire, on se demandait même s'il ne s'était pas mis à se droguer. Finalement, Cliff s'est décidé à lui poser la question carrément. Si jamais tu prends de la drogue, tu auras affaire à moi, Chris. Qu'est-ce que ça peut faire si je fume un peu d'herbe de temps en temps? Tu faisais la même chose à mon âge. C'était permis dans les années 60 parce que ça faisait cool de fumer. Mais moi, j'ai pas le droit, hein? C'est ça que tu veux me dire? Je ne te conseille pas de le prendre sur ce ton avec moi. C'est pas faux ce qu'il dit, Cliff. Je ne suis pas un drogué. Et je ne suis pas un dealer, d'accord? Ça vaut mieux pour toi. Si jamais j'apprends que tu dépenses un sou pour acheter de la drogue, je te coupe les fonds si vite que tu n'auras pas le temps de t'en apercevoir. Est-ce que tu m'as compris? Cliff, ça suffit maintenant. Non, je n'ai pas encore fini. Je veux voir des progrès dans tes notes avant la fin de ce trimestre. Sinon, tu pourras te mettre à chercher du travail et t'assumer tout seul, comme tout le monde. Tu as compris? C'était très rare que Cliff se mette dans un tel état. D'ailleurs, je lui ai dit que je trouvais qu'il avait exagéré un peu. Il était d'accord. Un peu plus tard, ils ont fait la paix et tout ça a été très vite oublié. Chris est même venu à la maison le week-end suivant, il a fait à manger pour tout le monde. Que savaient exactement vos enfants de l'état de vos finances? Vous voulez sans doute parler de cet héritage. Ils savaient que les parents de Cliff lui avaient laissé une grosse somme d'argent, mais ils n'en connaissaient pas le montant. Aviez-vous parlé de testament devant eux ou alors de police d'assurance? Je vous assure, Monsieur Murphy, que si je soupçonnais mes enfants d'être mêlés en quoi que ce soit à ça, je n'essaierais pas de les couvrir. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas le moindre risque que Chris ou Angela soient mêlés à cette horreur.
Ils sont incapables d'accomplir un tel acte et j'en sais quelque chose. Je ne mets pas en doute ce que vous dites, je vous assure. Mais il est de mon devoir de vous mettre en garde, parce que vous êtes peut-être en danger. Si je suis en danger, le danger ne vient sûrement pas de mes propres enfants. Un criminel monstrueux rôde dans les environs. Et c'est à lui que vous devriez vous Madame, entendre. Je sais ce que vous ressentez. Non, vous ne savez pas du tout ce que je ressens. Personne ne peut savoir ce que je ressens. J'ai vu mon mari se faire battre et poignarder à mort juste à côté de moi. J'entends encore ses hurlements. J'ai failli mourir aussi couché dans mon propre sang. Croyez-moi, vous ne savez rien de ce que je ressens. Fatiguée, laissez-moi, s'il vous plaît. Madame. Bonjour, monsieur. Entre mes mains. Pas facile non plus de nettoyer ma peau sans la déshydrater. Mais aujourd'hui, grâce à leur système régulateur d'hydratation, les nouveaux gels nettoyants Nivea Visage ciblent et éliminent délicatement les impuretés tout en préservant votre hydratation naturelle. Nouvelle gamme de gels nettoyants Nivea Visage. Hey, on fait un tour ? Oui, pourquoi pas ? T'as besoin d'un film ? Non, non, ça va. Avec Kodak Ultra, vos photos sont réussies dans toutes les conditions. Même à grande vitesse. Alors que d'autres films peuvent vous donner des photos floues, avec Kodak Ultra, jusqu'à 25% de vos photos sont améliorées. J'aurais dû essayer un film Kodak Ultra. Piazza di Spagna. Share a moment, share a life. Qu'il soit bouclé ou qu'il soit raide, tous les types de cheveux contiennent environ 10% d'eau, une eau essentielle à leur beauté. C'est pourquoi Dove a créé un tout nouveau shampoing hydratant qui nourrit et hydrate vos cheveux en profondeur. Il les laisse plus doux que jamais et plein de vitalité. Pour une hydratation imbattable, nouveau shampoing Dove. Signal intégral. La performance électrique Signal pour seulement 8 euros. À quoi pensiez-vous ces 5 dernières minutes ? Essayez pour voir. Magnum Snack Size, 6 mini Magnum et autant de fantasmes. Ça va? Oui, ma chérie. Ouvrir les fenêtres. Ça n'a pas dû être aéré depuis le départ des anciens locataires. Je pensais que vous auriez fait le ménage ici avant ma sortie de l'hôpital. Le ménage est fait, maman. Tu crois que je me suis tourné les pouces? C'est très bien, ma chérie. J'arrangerai tout ça dès que j'aurai retrouvé un peu de force. D'accord. Maman, j'ai pensé à quelque chose. Je devrais pas retourner à l'école tout de suite. T'as besoin de moi ici. Pas le moins du monde. Ah, j'ai pas l'intention de quitter l'école, juste quelques jours en attendant que ça se tasse. Je te promets qu'après j'y retourne. Venez vous asseoir près de moi. On va s'en sortir tous les trois. On est toujours une famille.
et tout va s'arranger. C'est mieux que tu restes à l'école, Chris. C'est beaucoup mieux pour toi. Il ne faut pas que tu perdes tes bonnes habitudes, n'est-ce pas, chérie? Ça ressemble au genre de sac où on mettrait des bouquins de D.E.D. D.E.D. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, hein? Oui, c'est le truc de Chris en ce moment. Il est tout le temps en train de jouer à ça. Il y a toute une bande de mecs, des copains de Chris, qui sont passionnés de ce truc-là depuis des années. Ah oui? Et est-ce que par hasard, tu connaîtrais le nom de ces fameux copains de Chris? Bah, ils sont toute une bande, vous savez. Ouais. Il y a Moog, je crois. Moog? Oui, c'est lui qui fait le maître du donjon. Le maître du donjon? Oui, ils ont tous des noms comme celui-là. Et le maître, c'est celui qui décide de toutes les aventures. Mais moi, je suis pas vraiment au courant. Demandez plutôt à Chris. Ce Moog, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est étudiant ici? Pas vraiment, il a laissé tomber les études. Mais il vient souvent traîner sur le campus. Excusez-moi. Vous savez où était Moog la nuit où vous êtes resté pour jouer aux cartes? La nuit où les parents de Chris ont été attaqués? Bon, probablement en train de se défoncer quelque part. Tu connais le nom de famille de ce garçon? Son vrai prénom, c'est James. Moog, c'est à cause du Moog synthétiseur. Je lui avais demandé, je crois qu'il s'est fait appeler Moog parce qu'il trouvait que James, ça faisait un peu ringard. Où est-ce qu'il habite? J'en sais rien, il se balade un peu partout, j'ai l'impression. Peut-être que je pourrais me renseigner si vous voulez. C'est très gentil, ça. Pourquoi? Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre des parents de Chris? Qu'en penses-tu, toi? Tout ce que je peux dire, c'est que Moog est le genre de gars à qui je confierais pas l'éducation de mon petit frère. Moog, je le connais pas vraiment bien, moi. En tout cas, je peux pas dire que c'est un ami. On le voit de temps en temps, c'est tout. Ça, on le voit de temps en temps. Je le trouve mignon. À part ça, c'est tout. Nous, on n'a jamais voulu essayer de prendre de l'acide comme il le fait avec Chris. Chris prend du LSD? Moi, je me souviens pas de l'avoir vu autrement qu'au défoncé ou en train de chercher à planer à tout prix. C'est vrai qu'il est assez pathétique. Il veut toujours nous en mettre plein la vue. Il se vante tout le temps de débourser tout le fric que ses parents lui donnent pour de la drogue. Il rigole. Si seulement ils étaient au courant... Auriez-vous entendu des conversations bizarres ces jours-ci entre Chris et Moog? Non. Non. C'était la première fois quand on est allé manger une pizza avec eux. On est allé manger une pizza et... Ils n'ont pas arrêté une seconde de parler de ces histoires bizarres. Alors, ça vient? Addition plus tard pour les bières, hein? Surtout, tu gardes ton pantalon. Écoute bien ce que je te dis. Ce mec-là a trop de pouvoir sur toi. Ouais, je sais, mais... T'es un barbare. Et si jamais quelqu'un t'emmerde, vieux, tu t'en débarrasses en employant tous les moyens nécessaires, d'accord? Écoute bien ton maître, je vais t'expliquer. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas attendre qu'il soit endormi. Oui, et ensuite j'arrive sur lui au beau milieu de la nuit. Exact. Et ensuite... Tu plantes ton épée dans son corps. C'était comme s'ils allaient vraiment le faire. Après, Moog nous a expliqué qu'il s'agissait seulement d'un jeu. Ils sont dingues de ce jeu. Ils se mettent des déguisements pour jouer des personnages moyen-âgeux. Oui, médiévaux. C'est une sorte de fantasme. Ils jouent à prendre le pouvoir les uns sur les autres. C'est très bizarre, vraiment très bizarre. Quand ils jouent à ce jeu, on ne peut même plus leur parler. Ils font semblant d'avoir un pouvoir. Oui, une puissance, ouais, en quelque sorte. Ouais. Comme si... C'est pas de la blague, les gars. On a le pouvoir. Madame, je crois que ceci appartenait à votre mari. Merci. Madame, que savez-vous d'un certain jeu auquel joue votre fils et qui s'appelle Donjons et Dragons? Mon fils a l'habitude de jouer à Donjons et Dragons depuis à peu près l'âge de 13 ans. Il passait des heures dans sa chambre à y jouer avec ses amis. Ça ne me dérangeait pas tant que son travail scolaire n'en souffrait pas. On jouait à ça comment? Comme au Monopoly, je crois, ou un autre jeu de société. Vous m'avez demandé l'autre jour si je connaissais des personnes susceptibles de vouloir du mal à mon mari. Je vous ai fait une liste. Je ne veux porter aucune accusation, c'est seulement en vue d'une vérification.
C'est une femme qui a travaillé avec mon mari, Arlette Simpson. On m'a dit qu'elle avait le béguin pour lui. Ils ont fait un voyage ensemble, strictement pour affaires. Je sais que Cliff m'a été fidèle, mais Arlette a un mari qui est très jaloux. Elle est venue à l'enterrement, mais son mari n'y était pas. Ça vaut peut-être la peine de vérifier. Bon, on vérifiera cette liste. Mais je suis persuadé que Chris y est pour quelque chose, même si sa mère refuse de le croire. C'est la seule hypothèse qui tienne. Écoutez ça, c'est dans ce bouquin. Dans la première des aventures, les joueurs sont envoyés dans un château pour tuer le seigneur du lieu et lui voler son trésor. Jusque-là, on connaît. Hein. Ils emportent des armes dans un sac à dos. Non, c'est vrai? Il y a même une jeune femme endormie dans une autre chambre du château. Non, c'est une blague, c'est trop, là. Écoutez ça. Les joueurs reçoivent des points supplémentaires pour chaque coup porté à leur victime. Combien de fois Van Stein a été poignardé? Comme des tas de mômes qui jouent à ce jeu. Ça a beaucoup de succès. Pourtant, ils ne décident pas tous de tuer leurs parents. Et tous ces mômes, ils se droguent aussi? Il faut qu'on arrive à retrouver ce Moog, maintenant. Le maître du donjon. J'ai une bonne centaine de cas, mais celui-là, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai prévenu que s'il recommençait ses conneries, je ne laisserais pas en liberté surveillée et qu'il irait en prison. Ça s'est passé il y a 6 mois maintenant. Alors, où qu'il soit, il se fiche bien de moi alors qu'il est. Ses parents sont divorcés, sa mère habite en Virginie, il ne voit que rarement son père. Vous avez là un exemple typique de sociopathe. Sauf pour une chose, c'est qu'il est plus intelligent que la plupart des gens qui l'entourent et il le sait. Il vient d'une des plus vieilles familles du comté de Caswell, ce qu'on surnomme l'aristocratie du maïs. La première fois qu'il est arrivé, c'était le charme personnifié, un vrai petit ange, mais déjà à cette époque-là, il m'a fait une sale impression. S'il ne va plus à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Comment et de quoi est-ce qu'il vit? Il vole des radios dans les voitures. Les dossiers. Travaille aussi vous m'avez de temps demandé. En temps. Merci beaucoup, vous pouvez les laisser ici. Il peut livrer des pizzas, refaire des peintures, tout ce qu'il peut trouver pour arriver à payer sa drogue. Ah, chaque fois que je suis sur le point de le coincer, il s'en sort. Voici la dernière adresse qu'on lui connaisse. Elle a 2 mois, un appartement près du campus. Je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi, parce qu'à chaque coup, il m'a glissé entre les pattes. J'aimerais vous poser une question. Le croyez-vous capable d'un meurtre? Sans doute. J'aurais du mal à l'expliquer, mais il a ce genre de lueur dans le regard qui vous donne tout de suite la chair de poule. Ouais? C'est vous, Moog? Non. Il est pas là. Je sais pas où il est. Mais il habite bien à cette adresse. Pas vraiment, non. Enfin, je veux dire avant, ouais, mais non. C'est tout ce que je sais. Ça vous ennuie si on en jetait un petit coup d'œil? Si. Vous connaissez Chris Pritchard? Oh, un petit peu, oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous devez savoir ce qui est arrivé à ses parents, non? Ah, oui. C'est moche, cette histoire. J'ai entendu dire qu'il était bouleversé. On a des raisons de penser qu'il y est peut-être pour quelque chose. Et on pense que Moog y est pour quelque chose aussi. Alors, là-dessus, moi, je peux rien vous dire. Hein. Ça, dites-moi, est-ce que vous reconnaissez ça? Non. Non, j'ai jamais vu ce truc-là. Bien, je regrette de ne pas pouvoir vous aider davantage, messieurs. Celui-là, on dira ce qu'on veut. Il en sait plus que ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire parler. Oignons, tomates, mayonnaise, sans moutarde. Et aussi une fille. J'ai faim. Tu devrais pas venir ici, Moog. Il te cherche partout. Toujours les mêmes conneries, je suppose. Non, cette fois, c'est autre chose. Il voulait savoir pour toi et Chris. Amène-moi des frites et un coca, tu veux bien? Allez, vas-y, Neil. Personne ne verra rien. Vas-y. D'accord.
Tu veux me faire encore une prise? Elle arrive. Écoute, je suis sûr qu'ils reviendront. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise cette fois, hein? Ce que tu leur as dit jusqu'à présent. Rien. C'est bien. À bientôt, vieux. Ah, je serais bien resté bavarder avec vous, mesdemoiselles, mais je suis recherché par la police. Non, j'ai fait assez de conneries. Ma mère n'a pas besoin d'un fils qui boit en ce moment. Ni qui se drogue, ni rien du tout. Ta maman n'est pas là, Chris. Écoute, Chris, tout le monde sait que c'est très dur pour toi. Il faut que tu te relaxes. Allez. Ah, d'accord, alors seulement un petit verre, c'est okay, tout. Ok, d'accord. À un, deux et trois. Vous savez pas ce que j'ai entendu dire, moi? J'ai entendu dire que lui, sa mère et sa sœur Angela faisaient partie d'une secte d'idolâtrie de Satan. Ouais, il paraît qu'on a trouvé un crâne et des os qu'ils ont fait brûler l'intérieur du corps du beau-père. Mais non, c'est pas ça du tout. Il s'est embringué dans ce machin de donjons et dragons et le meurtre était supposé être une sorte de revanche. Non, ça va pas, non, tout le monde sait que c'est lui qui a tué, mon vieux. Son père lui avait une fortune de plus de 3 millions. Et Chris, eh bien, lui, il aurait fallu qu'il attende que son père soit mort pour toucher un centime. Pour te protéger, maman. Je suis rentrée à la maison pour te protéger, maman. Maman, parce qu'ils racontent des choses, maman. Ils racontent des choses atroces. Ils disent que j'ai tué Cliff, maman. Donne ce revolver. Maman, ils disent que j'ai tué Cliff, maman. Maman, la police aussi croit que je l'ai tué, maman. Maman, la police croit que je l'ai tué, n'est-ce pas, maman? Maman, tu ne les crois pas, maman. Tu ne les crois pas, ni maman. Non, je ne les crois pas, chérie. Non, je me tuerai, maman. Je me tuerai. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout, chérie. Mais je t'en supplie, donne-moi ça. Donne, chérie. Je t'en prie. Chérie, je t'en prie. Lâche ce revolver. Donne-le à maman, mon chéri. Laisse-moi prendre ce revolver. Laisse-moi le prendre. C'est bien, mon chéri. C'est très bien. Mon chéri, je t'aime très fort. Tu sais, mon bébé, tu es ma chair et mon sang. Je sais que tu ne me ferais pas de mal. Et tu sais que je le sais. Maman, c'est moi l'homme de la famille maintenant. Je dois vous protéger, toi, Angela. Oh, mon chéri, je ne vais pas les laisser nous faire ça. Je n'assisterai pas sans me révolter à la destruction de ma famille. Non, j'ai déjà perdu mon mari, je ne les laisserai pas prendre mon fils. Non, je ne les laisserai pas t'emmener, mon bébé. Tu entends ce que dit ta maman? Écoute ce que dit ta maman. Tout va s'arranger bientôt, tu verras. Je te le promets, chérie. Maman va tout arranger, tu vas voir. D'accord, mon bébé? Tout va s'arranger. Ah, Chris, je te présente l'agent Reed. Il travaille pour le bureau d'État. Enchanté. Et il est arrivé sur cette affaire récemment. Et je voulais qu'il apprenne les détails de la bouche de l'intéressé en personne. Okay. Ça peut lui ouvrir de nouvelles perspectives. D'accord. Bon, alors je vous laisse travailler. Il n'y a pas de secret. Chris, je voudrais que tu me racontes tout le week-end du meurtre. Ok. Alors, d'abord, tu es rentré de l'école. Ouais.
une idée bien claire. Tu habites à Hucknall, c'est ça? Ouais. C'est plutôt chouette comme coin, hein? Très chouette, ouais. Et la rue qu'on habite est jolie aussi. Hein. Vous devriez voir le quartier où crèchent les riches. Tiens, justement, j'avais l'intention d'aller y faire un tour, voir ce que c'est. Dis donc, tu pourrais pas me faire un plan pour que je puisse trouver la maison? C'est, bien sûr. Ah, c'est vrai que c'est un beau coin. Ouais. Je peux pas en dire autant de l'endroit où moi j'habite. Mais j'aurais peut-être une promotion de ces jours. Avec une petite augmentation. Voilà, c'est notre maison ici. Ouais, je vois. Ouais. Et là, c'est Green Briar. Le nom de la rue, tu peux le marquer, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Parfait. Incroyable, ce gamin est pour le moins complice de ce massacre. Vous le savez, je le sais aussi, et cette écriture le prouve. Mais c'est encore trop mince pour l'accusation. Oui. Mais nous sommes encore là tous les deux. Eh bien, je n'ai pas voulu en parler plus tôt. Parce qu'il est le père de mes enfants et je n'ai pas la moindre preuve. Mais je crois que vous devriez interroger mon ex-mari. Si mon mari ou moi-même venions à disparaître, c'est à Chris et Angela que l'argent reviendrait. Et après tout, ce sont ses enfants. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune preuve, mais... Puis-je vous demander, madame, si vous accepteriez de venir nous voir ici pour passer au détecteur de mensonges? Il faudrait que Chris et Angela vous accompagnent. Monsieur Murphy, j'accepterai très volontiers. J'en serais même ravi. Après cela, vous déciderez peut-être de cesser de harceler ma famille comme vous le faites. Très bien, madame Van Stein. Alors nous allons prendre rendez-vous tout de suite. Le plus tôt sera le mieux. Je vous remercie. Au revoir. Savez-vous qui a poignardé votre mari? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui a prémédité le meurtre de votre mari? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui a poignardé Cliff? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui a prémédité l'assassinat de votre beau-père? Non, je ne sais pas. Excusez-moi, où est Chris? Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il avait un autre rendez-vous chez le docteur. Pourquoi? Il est malade? Qu'est-ce qu'il a? Mon fils fait une thérapie. Il est bouleversé depuis la mort de mon mari. Ça a été pour lui un très grand choc. Son avocat lui a conseillé de ne pas passer ce test dans l'état où il est actuellement. Viens, Angela. Madame Von Stein, nous avons la preuve que Chris a pris part à la préméditation du meurtre. C'est impossible. Ça a été confirmé par le laboratoire du FBI. Votre fils est suspect à présent. Que vous ayez ou non des preuves, ça m'est égal. Je sais que vous vous trompez. Madame Von Stein. Écoutez, je crois que vous devriez savoir que l'avocat de Chris est totalement convaincu de son innocence. Et il trouve inadmissible qu'on le soupçonne de cette façon. Les victimes n'ont pas besoin d'avocats. Les suspects, si. J'ai été forcée de faire appel à des gardes du corps pour protéger ma famille parce que vos hommes ne font pas leur travail. Maman! Nous voulons juste vous aider, madame. Comprenez-le. C'est vous qui ne comprenez rien. Je sais que mon fils n'a rien à voir dans tout cela. Je suis sûre que mon enfant est totalement innocent. Alors pourquoi avez-vous peur qu'il passe au détecteur de mensonges? En ce qui me concerne, mon fils a passé le seul examen qui compte vraiment. Le mien. Je suis sa mère. Et je sais qu'il est innocent. Elle ne veut pas voir la réalité. Pas étonnant. Ça la terrorise.
fait sa petite idée sur la façon dont c'est arrivé. Estelle Wallace était tellement sûre que le criminel était un tueur en série qu'elle a fait sa valise pour aller s'installer chez sa sœur à Stockton pour un mois. Bien entendu, tout le monde se demande qui va acheter la maison. Toi aussi, sans doute. Bob dit que cette histoire peut affecter la valeur des biens immobiliers. Je comprends pas grand-chose à tout ça, mais... Ça pouvait pas durer, c'était trop parfait. Après toutes ces années à travailler si dur, le jour, la nuit, sans jamais voir mes enfants, je devais les laisser avec ma mère et ma sœur tout le temps à l'époque. Et je ne savais jamais avec quoi j'allais payer le loyer. Et alors, Cliff est arrivé. Comme une réponse à mes prières. C'était pas le plus beau, non. Ni le plus drôle, mais... Il était vraiment gentil. Et il m'aimait. Il m'aimait et les enfants aussi. C'était un homme bon. Oh. Ça oui, c'était quelqu'un de bien. Il était adorable. Je vais t'aider à envelopper tout ça. D'accord, si tu veux. Tiens. Il croit que c'est Chris, tu te rends compte? Qu'il aurait prémédité tout ça. Tu le crois aussi, sans doute? Non, Bonnie, je ne crois... Je ne sais pas ce que je dois croire. J'ai tellement entendu de rumeurs. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas comme moi, je le connais. Peut-être, c'est vrai, peut-être que j'aurais dû être un peu plus sévère avec lui. Je n'aurais peut-être pas dû y céder si souvent, ni lui donner toujours... tout ce qu'il voulait, mais peut-être que je voulais me faire pardonner de l'avoir laissé seul trop souvent tout petit. C'est peut-être aussi parce que... il n'avait pas de père, j'en sais rien. Bonnie, moi. Écoute-moi, tu veux bien. Tu as fait de ton mieux et c'est ce que nous faisons toutes. C'est moi qui l'ai mis au monde, Fanny. Oui. Je l'ai vu faire ses premiers pas. Chris ne pourrait jamais. Il ne pourrait jamais... Oh, mon Dieu. Je me suis coupée. Il paraît que c'est un génie. Il a un QI de 180. Le prof à qui j'ai parlé dit que les notes qu'il a eues au test d'intelligence, on n'avait jamais vu ça dans le comté. Jamais. Ah oui, alors s'il est si malin, il verra sûrement qu'on bluffe. Même avec un QI d'un million, au point de vue affectif, c'est encore un gosse. Un gosse terrorisé. Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Bonsoir, je prends votre comme. Salut, Neil. Nous savons que Chris a participé. C'est maintenant un fait. Toute l'affaire est sur le point d'être éclaircie et tous ceux qui ont participé risquent d'être condamnés à mort. Mais le premier qui décidera à dire la vérité aura beaucoup moins de problèmes que les autres. Je suis sûr que tu sais quelque chose. Écoute-moi bien alors. Tu peux rendre ton cas beaucoup moins grave si tu parles maintenant. Comme ça, nous pourrons faire quelque chose pour toi. Et si je vous donnais juste, disons, quelques conseils? Ça dépend de ce que tu entends par conseil. Si tu sais quelque chose, dis-le tout de suite et dis-le clairement. Mais si tu as participé au crime, on doit aller chercher l'avocat de la partie civile. Il faut qu'il entende ce que tu as à dire. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'avocat, alors. Bonsoir, Sandy. Chris, il est à son travail? Il est encore au magasin? Que se passe-t-il? Écoute, il faut que tu sois courageuse, ma chérie. Le cousin d'un collègue de Bob travaille au bureau de l'avocat de la partie civile. Il paraît qu'on vient d'amener un suspect. Un garçon qui s'appelle Neil. Il dit qu'il est un ami de Chris. Bonnie. Bonnie, qu'as-tu l'intention de faire? Pourquoi? Qu'un ami de Chris soit suspect, ça n'a rien à voir avec Chris. Bonnie,
C'est Sandy. Tu peux me parler à moi? Merci pour le renseignement, Sandy. Chris nous a dit que ses parents allaient le déshériter. Ouais, parce que... il savait qu'il se droguait et tout ça, quoi. Et qu'il faisait plus rien à l'école. Et ses parents avaient l'intention de lui couper les vivres. Il allait se retrouver sans un rond. Alors, je suppose qu'il a dû se dire que... qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, ou alors... il serait sûrement obligé de se trouver un boulot. Ok, Neil, écoute le plan. Tu m'emmènes dans la bagnole de Chris. Ce serait trop con de se faire arrêter parce que j'ai pas de permis et tout gâché à cause de ça. Ok? Ah ouais, d'accord. Je t'emmènerai, Moog. Ah, je suis capable de le faire. Chris, c'est moi qui conduirai. Bon, je te fais un plan pour trouver la baraque. Tu vas arriver par cette route. Un bon coup de patte à chacun, ça devrait suffire. Vous connaissez pas Moog, mais il parle toujours comme ça. En tout cas... il a dit qu'il valait mieux que ça ait l'air d'un cambriolage. Qu'on allait peut-être piquer quelques bijoux. Je me suis dit qu'on allait s'amuser, que ce serait une aventure, quoi. Ils étaient riches, c'était pas grave de leur piquer un ou deux trucs. Je vous jure que j'ignorais qu'il y aurait un mort. Je me disais qu'il allait juste voler quelques petits trucs et qu'après on rigolerait bien en pensant à tout ça. C'était juste un jeu. Comme Donjons et Dragons. Ouais. Non, je veux dire, c'était pas du tout comme Donjons et Dragons. C'était, je sais que tout le monde pense ça, mais c'est totalement faux. Ça n'avait rien à voir. T'attends ici que je revienne. Il ressemblait à un guerrier ninja qui part à la bataille. Je pensais qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Je dois vous dire que Moog, je l'ai connu quand il avait 14 ans, tout juste. C'est vrai, il a toujours été dingue comme ça. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à l'extrême. Et c'est pour ça qu'on s'embêtait jamais avec lui, parce qu'on savait jamais jusqu'où il aurait le culot d'aller. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était grave cette fois? Quand il est remonté dans la voiture. Je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait pour de bon. J'avais jamais vu autant de sang de toute ma vie. J'étais terrifié. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Avant de rejoindre l'autoroute, on s'est arrêté quelque part pour brûler les vêtements de Moog. Sur le chemin du retour, on n'a pas prononcé une seule parole. Maintenant, Chris, il faut que tu réfléchisses bien à la question que je vais te poser. Et tous tes avocats, M. Hill et moi, sommes forcés de te le demander. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire ? Je regrette, Monsieur Wright. Je
Je ne vois absolument rien. Ah, je n'ai pas eu le temps de le voir. Allô? Neil? Oh, salut, Moog. Il me le faut ce soir. Je pars très tôt demain matin. D'accord, j'ai demandé une avance sur ma paye. Mais il faut que je fasse mes heures sup. Alors tu vas être obligé de venir le chercher ici. Qu'est-ce qui va pas? T'as une drôle de voix, mon vieux. Hein? Hein? Non, ça va, c'est juste que je suis un peu fatigué. Je crois que je dors pas assez. J'arrive dans une minute. Christopher Pritchard, voilà le mandat pour votre arrestation. Pour le meurtre au premier degré de Cliff Van Stein. Voilà. Excusez-moi. Vous faites une erreur. Vous allez devoir en répondre. J'ai laissé mes cigarettes. T'en apporteras. Angela, on va à la police voir ce qu'il faut faire pour la caution. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je devais aller dans le centre avec Donna. On voulait aller au cinéma. Ton frère vient de se faire arrêter. Tu sais qu'il n'y est pour rien. Non, je sais rien du tout, maman. Et toi non plus, tu ne sais pas. Je connais mon fils. Tu ne vois que ce que tu veux voir, maman. En fait, tu as toujours été comme ça avec Chris. En réalité, tu ne connais pas Chris du tout. Et je crois que tu ne me connais pas non plus. Viens, on va y aller. On va aller à la police. La caution est fixée à 300 000 dollars. Votre honneur, voici la mère du jeune homme, Bonnie Van Stein. Elle désire utiliser ses propres certificats de dépôt pour garantir la caution. Tous les documents nécessaires ont été remis au secrétariat ce matin et attendent votre approbation. Madame, avez-vous bien compris de quoi est accusé votre fils? Oui, votre honneur. Je dois dire que ça me pose un problème que le bien de la victime soit utilisé pour garantir la caution de l'accusé. Mais je donne l'accord. Merci. Maman?
Mon chéri. C'est gentil de m'avoir apporté des vêtements. Tu es superbe, mon chéri. Viens, on rentre à la maison. Merci. Non, monsieur. J'ai absolument rien à voir avec tout ça. Neil se dope, alors. Vous allez quand même pas croire ce qu'il dit. C'est ce que dit Chris. Il est jeté, Chris. Vous pouvez pas savoir à quel point. Un jour, il s'est mis à cavaler à travers toutes les chambres, en disant à tout le monde qu'il venait de recevoir de l'acide. Défonce toute fraîche, qu'il hurlait. Il n'a jamais parlé de tuer ses parents? Si, oui, je l'ai entendu en parler, oui, une fois. Mais j'aurais jamais cru qu'il allait le faire. Il nous avait emmenés dans un très bon restaurant. Et il voulait absolument payer l'addition. À la nôtre, les gars. Et à nos succès, hein. Oh, génial. Et comment on va payer tout ça, les gars? Comment on va payer tout ça? Eh ben, voyons, est-ce que... comment est-ce que je vais payer tout ça? T'inquiète pas pour Chris, mec, ces vieux sont pleins aux as. Ah ouais, combien ils ont? Eh ben, j'en sais rien, mais les vieux de mon beau-père viennent de crever. T'as même pas une petite idée? Ah ben, disons quelques millions de dollars, mais j'en verrai pas la couleur tant que mes parents seront vivants. Ah, oh, c'est chiant, parce que tu risques de crever avant eux. T'as qu'à descendre tes parents tout de suite, comme ça t'irrites du fric pendant que tu es encore assez jeune pour en profiter. Hey, dis donc, tu crois peut-être que j'ai pas pensé à ça? Je croyais qu'il plaisantait. J'aurais jamais cru qu'il était sérieux. Et aucun des mecs qui étaient là non plus, j'en suis sûr. Où étais-tu le week-end du meurtre? Ça alors... Oh là... Je me défonçais assez souvent à ce moment-là, alors... Désolé, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Monsieur Murphy, c'est Bonnie von Stein. Oui, je suis désolée de vous déranger chez vous, mais est-ce que vous accepteriez de déjeuner avec moi demain? Oui, je désirerais discuter de notre cas avec vous. Oh, officieusement, si ça ne vous ennuie pas. J'ai déjà dit tout ce que je sais, messieurs. Tu ne nous as presque rien dit, Chris. Rien qui puisse être utile à ton cas. Pourquoi ce garçon inventait-il une histoire aussi invraisemblable s'il n'y avait pas un peu de vrai? Le jury va se poser la question. Il va bien falloir qu'on leur donne une réponse. Et tu vas nous aider à la trouver, cette réponse. J'en ai donné une. C'est un dingue. Je n'en crois pas un mot. Écoute, tout ce que tu diras restera strictement entre nous. Nous ne dirons jamais rien à ta maman. Elle ne saura rien de tout ça. Nous te ferons le serment de ne jamais rien lui dire. Si jamais Moog se décide à avouer, et il est très possible qu'il le fasse, ça fera deux témoignages contre un. Et à ce moment-là, on ne pourra plus te sauver. J'ai peut-être dessiné le plan du quartier. Au départ, ça devait être juste un cambriolage. Dans un état. Il avait décidé de ne plus me tenir. Il tenait un sou. J'allais être viré d'école. Et il y avait ce devoir que je devais faire. J'ai voulu que ça se passe comme ça. J'aurais cru qu'il irait jusque-là. C'est l'écriture de Chris. Bon, et alors? Oui.
C'est ça, votre frère. Et le procureur va se contenter de ça. Monsieur Murphy, n'importe qui aurait pu faire dessiner ça à Chris pour le piéger. C'est vous, n'est-ce pas, qui l'avez piégé? Madame, croyez-moi... Chris invitait des amis à la maison tout le temps. Il aurait pu faire ce plan dans un autre but à n'importe quelle occasion. Quelqu'un a pu se le procurer et l'utiliser à mauvais escient. Ce plan ne prouve rien du tout. Madame, Neil Anderson a témoigné sous serment... Laissez-moi vous dire une chose, monsieur. Je connais bien les amis de mon fils. Ce sont des menteurs, des voleurs, et surtout, ils ont poussé Chris à se droguer. Et maintenant, ils essayent de lui mettre un crime sur le dos, et vous, vous écoutez religieusement leurs mensonges. Je ne vous reproche pas de vouloir croire ce que dit Chris. Merci de m'avoir accordé cet entretien, monsieur Murphy. Mais cette preuve que vous avez là ne prouve rien du tout. Chris n'a jamais participé à ce meurtre. Et vous n'avez rien contre lui. On s'est dit qu'il faudrait que j'aie l'air très déprimé pendant quelque temps. Et que pour m'en remettre, je devais acheter des voitures à tous mes copains. Il faudrait que j'achète une Ferrari pour Moog et une Porsche pour Neil. Et je devais en acheter une à Brou aussi pour pas que ça paraisse bizarre. On dirait une histoire de fou, hein? Vous allez tout lui dire, c'est ça? Non. Vous allez tout lui raconter? Non. Vous allez tout lui raconter, j'en suis sûr. Il faut me remettre dans le lit. Chris, va t'asseoir et calme-toi. Si vous lui dites, je vous jure que je me tirerai. C'est pas une blague. Je prendrai ma bagnole et je partirai vers la montagne. Et puis je ferai sortir la bagnole de la route. Cesse de t'énerver. Et j'ai un flingue aussi. J'en ai un. Maman me l'a caché, mais je sais où elle l'a mis. Ma voiture sortira de la route, je me ferai péter la cervelle. J'appelle à propos de Chris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça fait des heures que je l'attends. Il est encore avec vous? Bonnie, Chris est à l'hôpital. Oh mon Dieu. Non, il n'a rien, Bonnie. Il va très bien. Il est vu par un psychiatre. Un psychiatre? Quoi? Mais qu'est-ce... Je ne comprends pas. Bonnie, je vous en prie, écoutez-moi. Chris a consenti à nous parler de l'affaire, bien entendu. Il nous a dit des choses qu'il n'avait jamais dites à personne encore. Mais il n'a rien à voir avec l'affaire. Enfin, je le sais. Bonino, nous sommes là pour vous défendre. Vous devez avoir confiance en nous. Je ne peux pas vous en dire plus que ce que je viens de dire. Cela pourrait gravement compromettre le cas de Chris si je vous mettais au courant de ce qu'il vient de nous dire. Il ne faut pas qu'il vous en parle. Et vous ne devez rien lui demander. C'est très important, Bonnie. Est-ce que vous comprenez? Oui, je crois. Je suis Madame Von Stein. Mon fils Christopher Madame a été Madame Von Stein, Chris est là-bas dans la pièce qui se trouve en bas de l'escalier. Merci. Je voulais vous prévenir qu'il... chose, Neil Anderson est le seul témoin dont il dispose contre toi et Moog. La seule preuve matérielle qui te relie au meurtre est ce plan. Si nous la contestons et affirmons que Neil est un menteur, il y a une chance pour que le jury t'acquitte. Mais il peut aussi te condamner. Nous ne pouvons rien affirmer. La seconde possibilité, c'est d'aller voir l'accusation
et essayer de négocier. Si tu plaides coupable, tu peux sauver ta vie. C'est à toi de choisir, Chris. À toi seul. On essaie de négocier. Voyons, Chris. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je veux négocier. Décrocher, tu vas le porter. Attends une minute. Bon, bon allez, va, d'accord. Faut que je l'arrange un tout petit ça y est, peu. Oh, c'est bon. Je suis si fière de toi, mon bébé. Ok, on bouge plus. Bah alors, Cliff, souris, tu vas être débarrassé de moi bientôt. Le collège va te faire beaucoup de bien. Tu vas enfin savoir ce que c'est que la discipline. Génial. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On fait la fête aujourd'hui, Cliff. Ce sera merveilleux pour toi au collège. Tu vas te faire plein de nouveaux amis. Tout le monde est prêt? Souriez. Je n'ai pas été une mère parfaite. Mais je veux que tu saches que je vous aime de tout mon cœur. Je sais, maman. Je sais. Oui. Trois garçons. Des garçons intelligents et de bonne famille, dont les parents bouleversés s'interrogent. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Et pourtant, elle est arrivée. Oui. Nous allons voir que ce qui a réuni ces garçons au départ, c'est un jeu étrange, qui se joue avec des massues, des poignards, des lances et des épées. Mais ici, ce qui est en cause, ce n'est pas le jeu en soi. Le jeu n'a fait qu'apprendre à ces garçons à concentrer leur volonté sur un but unique. Leur mobile, en réalité, est vieux comme le monde. C'est la cupidité, l'appât du gain. Chris Pritchard n'aime pas beaucoup travailler et il ne veut pas étudier non plus. Il veut avoir de belles voitures, la vie facile et les poches pleines. Comment? Après y avoir mis le temps? Grâce à son travail, à ses efforts? Non, maintenant. Maintenant. Chris Pritchard et ses amis vivent dans leur petit monde de bière et de frites et de drogue et de donjons et de dragons, sans la moindre responsabilité d'aucune sorte. Un monde centré sur le désir et sa satisfaction instantanée. Quand je suis arrivé en maternelle, on m'a mis en CM1. Ensuite, quand je suis arrivé en 6e, on m'a mis en 3e. Et là, les autres garçons, bien sûr, étaient plus grands que moi. Ils n'arrêtaient pas de m'embêter parce que j'étais plus intelligent qu'eux. Et quand je me suis retrouvé à l'université, j'étais pas très bien dans ma peau à ce moment-là. J'avais besoin de copains. Moog et Chris sont devenus mes copains. Ça avait l'air d'une petite aventure sympathique, partir au milieu de la nuit, rentrer après. Je me disais, après tout, il va juste entrer dans la maison et ressortir ensuite, et ça va pas aller plus loin.
Mais seulement, une fois ressorti, il a dit qu'il avait tué quelqu'un. Est-ce pour de l'argent que vous avez accepté de conduire la voiture pour aller là-bas? Non, non. Alors si ce n'était pas pour de l'argent, pourquoi l'avez-vous fait? C'était mes amis. Et ils avaient besoin de mon aide. Je ne pouvais pas savoir ça allait se terminer comme ça. C'était mes amis. Monsieur Henderson, reconnaissez-vous ceci? Oui, c'est le sac où Moog met ses livres. On discutait pour essayer de trouver un moyen de se débarrasser de mes parents sans risquer d'être soupçonné. On a d'abord pensé à provoquer un incendie en faisant un court-circuit. Mais et vos parents? Avez-vous évoqué l'éventualité qu'ils puissent se réveiller une fois le feu allumé? Oui, on en a parlé. Il a dit... James a dit... Ça ne marchera pas. Tu n'as aucun alibi. Et les incendies éveillent toujours les soupçons. Il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce qu'on fait? Un cambriolage? Il a dit... Ouais, ça c'est une excellente idée. Il a dit que quand on reviendrait, on irait dans un magasin de surplus de l'armée et qu'on achèterait une machette pour qu'ils puissent trancher la tête de mes parents. Comme ça, ce serait rapide et sans douleur. Et comment avez-vous réagi à cela? J'ai dit, je crois que les magasins de surplus sont fermés. Je voulais avant tout... Oui. Je voulais que ce soit sans douleur. Alors, on a acheté un couteau de chasse au supermarché. Avez-vous parlé avec James de ce qui allait arriver à votre sœur Angela? James a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ta sœur? Et j'ai dit, bien, si elle est là, alors elle aussi. Mais qu'espériez-vous en causant la mort de votre sœur? Héritage tout entier. Chris, dites-nous ce qui s'est passé quand votre sœur vous a téléphoné. J'étais sous le choc. Sous le choc? Vous aviez tout prémédité, vous aviez fait ce plan, fourni la voiture et même acheté le poignard. Quelque part, en fait, je ne croyais pas que ça allait vraiment arriver. À ce moment-là, avez-vous ressenti quelque chose par rapport à cette tuerie? Oui, monsieur. J'ai ressenti énormément de remords. Avez-vous pensé à la police? Oui, monsieur. Je ne voulais pas qu'on m'arrête. Je ne voulais pas que ma mère sache. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur.
gouverné par la volonté de nier ses sentiments, de les étouffer à tout prix. Ce jeu morbide et dangereux, combiné aux effets de la drogue et de l'alcool, permettait à Chris de fuir la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. Un monde où personne ne l'abandonnerait jamais, où il ne dépendrait jamais de personne, où personne ne pourrait lui faire de mal. Christopher Wayne Pritchard, pour coups et blessures sur la personne de Bonnie Van Stein, vous êtes condamné à 20 années d'emprisonnement. Pour le meurtre de Cliff Van Stein, vous êtes condamné à l'emprisonnement à vie. Je donne mission au shérif du comté de faire incarcérer sur le champ Christopher Wayne Pritchard dans la prison d'État. La séance est prise. Non, attendez une minute. Seulement une minute, je vous en prie. Vous éprouvez pour votre fils en ce moment. Je l'aime comme je l'ai toujours aimé. Je n'approuve pas du tout ce qu'a fait Chris, mais je sais que je suis responsable moi aussi. Chris est un enfant et je savais très bien qu'il n'était pas encore mûr pour quitter la maison. Et je sais aussi que sans la drogue, rien de tout ça ne serait arrivé. Alors j'ai l'intention de faire tout ce que je pourrais pour lui. Je suis encore vivante quand il sera libre. Je ferai de mon mieux pour l'aider à se remettre sur les rails et à se refaire une nouvelle vie. Je ferai tout pour lui. C'est mon fils. Prison à vie pour le meurtre de Cliff Van Stein. 20 ans pour coups et blessures à Bonnie Van Stein. 40 ans pour le meurtre de Cliff Van Stein. 6 ans pour coups et blessures à Bonnie Van Stein. La liberté surveillée sera envisageable dans 6 ans. Pour meurtre au premier degré, James Bartlett Upchurch a été condamné à mort par asphyxie au moyen d'un gaz toxique. Le condamné a fait appel. Chris Pritchard sera peut-être mis en liberté surveillée dans 19 ans. Après le décès de leur mère, Chris et Angela hériteront de ses biens.